Bamako, la capitale du Mali. Un pays très pauvre, mais une population dynamique. Dans ce bidonville, l'école a dû fermer faute de moyens. Mais les enfants ne sont pas à l'abandon, ils apprennent un métier. Des centaines d'artisans et leurs familles survivent grâce à la production d'objets à des prix compétitifs.